Tournez retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 13 de AC Buggity, un épisode qui va nous porter malheur. L'épisode 13 à Paris, on est dans le thème, dans un thème totalement sportif. Heureusement que j'ai pris des points de passage là pour aller plus vite. On va rush, hein. Peut-être que c'est le dernier épisode, je sais pas. Aucune idée. Mais ouais. De toute façon, peut-être qu'un jour on retournera par ici, hein. C'est pas impossible, hein. Enfin, je veux rusher l'histoire. Parce que j'en peux plus. Et après, comme ça me permet de faire un nouveau let's play. Mais toutes les runs que vous avez vues là, de ce marathon de Assassin's Creed, tous les AC que j'ai pas totalement compléto, finito pipo à fond la caisse, c'est des runs sur lesquels potentiellement on retournera à l'avenir. Hein, pour faire le 100%. Pour faire des 100%. Alors je sais pas, ça sera dans les let's play, sûrement. Mais voilà. Les récits parisiens, bon voilà, un jour ils seront faits. Mais peut-être pas là maintenant. Sûrement pas. J'ai vu un coffre. Fait de le prendre. Une minute, toi, je veux te parler. De quel côté? De quoi, ma crème pastille, ce soir? Je crois qu'il est discrètement, mais sans appeler leur garde. Ah ouais, un événement sur 15, hein. Allons-y. Que se passe-t-il? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ceci. Mon objectif est là-bas, mais. Mieux vaudrait se retirer. Que je la suive là. Tu penses toujours comme un assassin? Cette fois, j'ai un plan. Oh! Et c'est quoi ce plan? Penser comme un Templier. Ah ouais. Préparez des torches. Ils ont déjà vécu trop longtemps. Incroyable. Heureusement qu'on a toute cette foule. À quoi ça rime tout ça? Vive Robespierre! Mon Dieu, est-ce que c'est joli? Encore qu'être caché comme ça, ça sert à rien vu qu'on n'est pas dans un carré. Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. On est au milieu des deux carrés où ça surveille. C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. Ok. Que fait-on? Ah oui. Je vous le demande. Mamie, l'autre. Comment il connaît mamie Durseur, lui? Comment? Ah. Oh, je me souviens de cette mission. Horrible. Horrible. Et maintenant? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre... Il est moins populaire qu'auparavant. Monsieur Solojap, comment qu'il va? Si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Et quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil.
mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Mais écoute, ça va être tranquillou. Prêt à finir Unity, là ? C'est l'objectif de ce soir. Finir Unity le plus rapidement possible, en tout cas son histoire. Pour, on espère, avoir le temps après de se faire au moins le début de BioShock. Un petit épisode de BioShock. Ça pourrait être nice. Le film, d'accord. Et du coup, tu as bien aimé ? Il n'a point créé les prêtres pour nous attacher comme de vils animaux au char des rois et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice, de la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour oublier sa présence. Il a créé les hommes pour s'aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature avait lié tous les mortels. Eh, c'est... En vérité, c'est ça le problème de ce jeu. C'est qu'il y a trop de gardes. On est sur un moment du jeu où il y a trop de gardes. Je peux finir mon combo ou... C'est ça le problème. Je pense que c'est ça le problème des missions finales de ce jeu. C'est que... Faut forcer. Je me sens obligé de forcer. Dans ce moment, une nation entière aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain suspend le cours de ses travaux héroïques. Yep. Bah, c'est le plus important. Hein. Il y en a beaucoup qui visiblement sont pas contents par rapport à la justesse historique du film. Mais bon, c'est un film. Hein. Je pense que je le regarderai un jour, mais j'avoue que on me l'a proposé et j'ai pas. C'est pas. Il me tente pas plus que ça. Un jour le voir comme ça quand il sera disponible, je sais pas, bah, sur Amazon, un truc comme ça. Dans quelques années, pourquoi pas, mais aller au Cinoche, là maintenant, là. Allez, des petites surprises au niveau du casting, nice. Vas-y, descends. Là, je... Waouh.
Non. Qui a pu faire ça? Payer pour ça. Oh, à l'aide! Garde! Par ici! Mais il se décide, il bouge ou il bouge pas? Mais il y en a un derrière mon cul. Ah, excellent ça. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. Je pense que quand j'arriverai à ces Origins, j'y jouerai en VO, je pense. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois en VF. Et c'est vrai que la voix de Bayek en VO, elle est vraiment excellente. Durant les trailers, elle était. Ouais, monsieur, on peut dire jouissive en haut et écouter quoi. Vraiment très stylé à écouter. Il a une putain de voix, le gars. Donc, peut-être le faire en VO quand j'y serai. On dirait un journal. À exactement 5 heures du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ. Un peu comme les Last of Us quand je les referai. Soit en accrochant leur. Pareil. Soit en embellissant leur. C'est des jeux que j'ai beaucoup fait, fait même en VF. Le faire en VO, ça va être cool. Il me faut quelque chose de plus solide. Une lettre. Monsieur Robespierre. Ah voilà. Veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. Bah moi, hormis les trailers, c'était full VO, donc j'ai pas pu. Sans le moindre intérêt. Profiter de son jeu. Avec la voix en tout cas. Au niveau de la tête et tout, ben forcément c'est le gars, mais au niveau des dires, c'était Slimane. Après la VF de Bayek, elle est incroyable. Hein. C'est vraiment pas comme dans Mirage où que ce soit la voix de Roshan ou de Basim, j'ai pas du tout accroché. Ça devrait faire l'affaire. Contrairement à Origins et à beaucoup d'autres, hein. Dans Odyssée, c'était Adrien Antoine qui faisait Alexios et celle qui fait merde, Abby pour Cassandra, donc très stylé. Pardon. Bon, finalement, j'ai pas trop galéré pour la lettre, mais c'est pour ce qui va arriver après. À mon avis, alors ça va être bien drôle. Une liste de noms. Drôle sauf pour moi. De députés de la convention, tous opposés à Robespierre, il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant. Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Wep. Armé, tour à tour, des poignards, des fanatismes. Et des poisons de l'athéisme. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Des poignards, des fanatismes. Ah.
poison de l'athéisme. Craint plus leur complot sacrilège. Armé. C'était quoi ça? Tour à tour, les poignards du fanatisme. Des poisons. Peuple, ne crains plus leur complot. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Peuple. Le bâtard. Peuple, ne crains plus leur complot. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher. Peuple, peuple, ne crains plus. Mais... Comment ça? Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. On va. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde. Mais... Tu peux pas le tuer, lui. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ok. Qu'est-ce que vous faites, madame? Surtout la sagesse. Ah. Que nous coupables ennemis, vous les chassez de la République. Ah, c'est bon. Pas compris. Reviens, misérable. J'ai quelque chose à dire. C'est pas possible. Mais c'est une blague. Tu vas me répondre, Lucien. C'est une putain de blague. Eux, ils nous voient pas, hein. Pas de problème. Bon, bah finalement, ça s'est bien passé. J'en avais un mauvais souvenir, mais ça va. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Ok, nice. Il respire erreur sur la liberté et la clémence, alors que l'on guillotine des gens par milliers. Si Danton était encore en vie, il serait tout frais de chacun. Pas si on ne dérobe pas, mais on met des trucs. Je suis passé par là, moi. Monsieur, dame. Conduite inconvenante, moi. Mais pour qui diable Robespierre se prend-il? Du sein de son auteur, que le remords de leur propre cœur. Une sale vermine. Infortuné, redressez vos... Mais je l'ai pas détroussé, j'ai retroussé. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Levez vos yeux vers le ciel. Héros de la patrie, votre généreux dévouement n'est point une brillante folie. Si les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner, il n'est pas dans leur pouvoir de vous anéantir tout entier. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore des hautes pensées de toi-même. Tu peux lier ta vie passagère à Dieu même et à l'immortalité. Va nous emmerder, lui. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse, tout son empire. Regardez-le, cette pavanée, ce freluquet. Cela devrait faire bouger les choses. Si frêle, comme tous les autres de la nature. Au revoir. C'est surtout la sagesse
que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. Et il parle à beaucoup de monde, là. Liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin, cette fois. Mais infaillible carrément de notre indépendance. Le loup est dans la bergerie. Je plains mes moutons. Et maintenant ? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Ah oui, il n'y a plus un rat. Il sera vulnérable. Et l'immersion est incroyable. Mémoire une finito. Alors. Allons-y. Enchaînons, c'est où ? Oh. Merde. Yes. Pas le temps de niaiser. Je crois qu'il doit y avoir que 3 mémoires là-dedans, là. Dans ce chapitre 12. Dans cette séquence 12. Voilà. Je crois que je vais aller vérifier même directement. Ah oui, 3. Nice. Ok, ok. Ouais, on va sûrement terminer sur cette VOD, hein. Quitte à terminer là-dessus, j'aimerais bien me ravitailler en munitions, moi. Sur le chemin, il n'y a pas un vendeur, là. Tout. Bah, ouais, tiens, il y a un vendeur juste à côté. Comment vas-tu ? Aurait-il perdu l'esprit ? Magnifique cette ville. Ah oui, le vendeur. Ah merde, il est là. Ah. Tout ravitaillé pour 7000. Ah ouais. Bon bah écoutez, hein. Allons-y. Hein. Comme ça, on est full. Allons-y. J'ai reçu ton message. Que se passe-t-il ? Nous sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre. Qu'est-il arrivé ? Il a été arrêté. Dieu quoi ? Apparemment, Monsieur il aurait émis des menaces de purge envers des ennemis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire au commis. Son exécution est prévue pour demain. Ah bah, Robespierre est tyran ! Paris est plutôt avec il la guillotine pas avec le sang de tonton ! Madame, elle s'arrête de façon random. Par tous les diables. Des hommes de la garde nationale. J'espère qu'on l'a pas perdu. Il est trop tôt pour paniquer. Il est trop tôt pour paniquer. On doit d'abord découvrir ce qui s'est passé. Je voulais simplement t'arracher. Il y a des indices ici. Qu'est-ce qu'on veut faire, madame ? Faut lui parler. On ne peut pas perdre sa trace. Sa trace. Merde.
Seigneur. Ah. Ah. Eh bien voilà. Élise. Ah. Que s'est-il passé ici? Choc-barre le type. On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous sont attaquées. Pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés. Par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. L'apothicaire. Le prisonnier, la garde l'aura conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Entendu. Totalement gilet jaune. Il est là, le gars. Un truc doré. C'est notre ami. Il n'y a rien. Oh non. Gone. Comment qui va? Attendez, je comprends pas. Il est là, le type. Où sont-ils allés? Dans cette direction. Ça, tranquillou. On rush ce jeu de ses morts. On pourrait tenter de se faire un petit Bioshock après là. Ça pourrait être cool. Allez, allez. Pourquoi faut toujours vous gâcher tout? Pourquoi? Il est pas frais. Bah merde. Oh là là. Il doit y avoir une fenêtre, quelque chose, j'imagine. Sinon, je vois pas comment je rentre là-dedans. Ah d'accord, il y en a un autre. Il y a un autre calanché ici. Oh, non. Voilà. Là-bas. Venez-vous de nous dedans, allons les retenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Alors, il est là. Attrapez-le. Poussez-vous, poussez-vous. Au voleur, à l'aide. Il m'a volé. Quelqu'un l'arrête. Où est-il passé?
Maudit Chris. Montez. Une corde solide. Là, c'est plus filé, l'autre, là, il court, donc... Non, mais quel abruti celui-là! Dieu soit loué, vous êtes sains et saufs. On est tous derrière vous. Merci, sergent. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la Convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Toi, mon bougre à gauche, tu es une sale trogne. Ah ouais. Est désormais en rébellion ouverte contre la nation. Les soldats aux ordres de la Convention. Comment que je vais rentrer là-dedans, moi? Dépêchés afin d'appréhender le traître Robespierre et ses partisans. Il est conseillé aux citoyens de demeurer chez eux jusqu'à ce que justice ait été faite. Sachez que le citoyen Robespierre. Monsieur Dub. Mais pourquoi il veut pas courir là, tout droit, tout simplement? Allez, hein. Ah. Oh. Nice. Il est là, cet enfoiré. Il assassine ou pas là? Ok. Oh. Une entrée. Oh. Monsieur Dub. Mais là, ça fait beaucoup là. Bon, le gars est juste à côté. Comment que je fais? Ah mais ils sont dehors eux là. C'est-à-dire que normalement... Si tout va bien... Voilà. Enfin une porte importante à ouvrir. Ah ouais. Ah ouais. Ça sert.
Franchement, on s'énervait, ça servirait à rien. Pire idée de gameplay, c'est pas grave. Franchement, est-ce que ça serait si grave? Tu aurais mieux fait de suivre les aristocrates d'Angleterre. Vas-y, vas-y. Mais j'appuie sur rond. Mais. Aïe aïe aïe. Alors. Une autre entrée, il faut que je trouve une autre entrée, moi. Seigneur. C'est insupportable. Comment je trouve ça, moi? C'est tout ça à cause de cette putain de porte. C'est pas possible. En plus, j'ai payé pour avoir plein de consommables. Comment c'est que j'ai que 5 sur 5? C'est quoi ces conneries? Merde, c'est dans quoi? Dans quoi que je vois ça, moi? C'est... Je peux pas voir mon stuff, là? Bon. Ah oui. Putain. Je vais te passer par en bas pour bien avoir une fenêtre de l'autre côté, non? Ah ben voilà. Non. Tu n'as rien vu. Maudit garde, je vais te... La prise du jour, à poisson trait. Ouais. Il observe là-dedans, lui, là. Va-t'en de là, messire. Tu s'étires en plein milieu? Allez, viens me voir, au pire. Au pire, viens me voir. Non, mais au pire. Si la convention attaque, on est fait comme des rats. Comme des rats. Mes oreilles ne m'ont jamais trahi. Oh. Je vais prévenir Germain, voilà des heures. Germain m'a mis en garde contre vous. Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Un assassin? Plus maintenant. Où est Germain? Élise? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Alors écoute. Oh!
Ah oui, violente, madame. Pas le temps de niaiser. Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur. Emparez-vous de lui. Oh, terminé. Ok. Eh ben oui. Je me souviens de ça. Mais ouais. Comment j'arrive le plus vite possible ici? Mais par là en fait, hein, tout simplement. Ça y est, ça y est. Commencez pas à vous battre là, la Raikai. C'est pas possible. Ça marche solo à bonne utilité, merci de passer, j'ai plaisir. Le Landvel. Comment qu'il va? Il y a personne dans ce truc là? Je vais faire le tour hein, par l'extérieur. Aïe. Un homme bien étrange. Oui. À mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde, à mon avis. Ouais, tranquillou, hein. Comment s'est passé votre... votre week-end de travail? Allez hop, étape finale. On en finit avec ce jeu. Maintenant. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chances de ne pas surprendre. J'imagine que tu as raison. Parfait alors, parfait. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. J'explique cette mise en scène en mode comment va-t-on l'assassiner, comment le trouver, alors que mon pote ça va être réglé en deux secondes. T'inquiète pas, je vois le plan faible, t'inquiète pas. Bah. Oh, le point faible il est tout vu. Bon, j'espère que ça a marché, mais le point faible il est tout vu. Ah non, ça ne marche pas. Ils m'ont bien niqué. Ils m'ont bien niqué. Ils m'ont bien niqué. J'allais prendre le point de... pour aller plus vite, le point d'observation. Ok. Il y a un égout là, ouais.
Allons-y. Marcher dans le... dans le vide, l'autre. Oui, bon, bah, les gars, je suis pas dans votre zone. Faut aller se faire foutre, je suis pas dans votre zone. Allons-y. Oh non. Oh non, pas ça. Aïe, aïe, aïe. Et le pire truc. C'est insupportable. J'étais à ta taverne hier soir. Revenez plus tard, si vous voulez. C'est bon ou pas? Mais espèce de maudit crétin. Tu es maudit Chris. Arrête, oui, citoyen, toi, citoyen. Hey, timide. Ah, on peut un petit peu de faire de ce que je pourrais. Monsieur, dame. Approche ! Ça fait au moins une heure que je n'ai connu personne ! Pas ça ! Alors... Oh ! Pas le temps de niaiser, moi. Aïe, aïe, aïe. Qui me tire d'où, là? Putain, je vois rien d'ici. Quoi? Ça le lâche. Mais... Reste où tu es. Mais esquive. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça. Mais est-ce que c'est un vrai leak? C'est ça le truc. Moi aussi j'ai vu plusieurs leaks dans la soirée d'hier à aujourd'hui sur TikTok. Des gens qui disent ah, c'est vraiment celui-là, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est pas mieux de le regarder demain en bonne qualité surtout? Bah, j'ai vu les trucs. J'en ai vu deux, je crois. Mais bon. Bah, du coup, si vous savez, gardez ça pour vous. Et moi, je veux découvrir ça demain. Ça se trouve, je vais me faire spoiler dans la soirée. À mon avis, il faut pas que j'aille sur TikTok en soi. Aïe. Qu'est-ce que c'était que ça? On va éviter cette application du diable ce soir. L'assassin prodigue est enfin de retour. Je m'en suis douté lorsque la touche a cessé de monter ses épaules. Un...
Mais... comment... C'est une blague. Je me souviens que ça durait plus longtemps. Hé hey, si tu t'ennuies, je peux te découper les boyaux. Ouais, ouais, t'inquiète. Le Scavax, il m'a dit ça aussi. Le Scavax. Putain, je vous ai confondu tous les deux. Le papy m'a dit ça tout à l'heure aussi, là. Si. Confondu. Ok. C'est diablerie. Tu n'as rien à faire par ici, toi. Mais pourquoi? Un homme ne disparaît pas comme ça. Étrange, il est juste devant moi. Mais saute, du con. Et là où ils sont en train de tomber dans la map. C'est con. Pas le temps de niaiser. Cache-toi autant que tu le veux. Ça ne changera rien. Je te trouverai. Tellement obsédé par l'extérieur du pouvoir qu'il en avait oublié sa raison d'être. Nous étions pris au piège de nos mensonges, créés pour guider les masses. Inutile de te cacher. Je suis mort, là. Je suis mort ou pas? Des mensonges façonnés pour guider... Et du coup, soigne-toi. Des mensonges façonnés pour guider les masses. N'entends-tu pas ce que je t'ai dit? Mon plan s'étend bien au-delà de ma vie. Cache-toi autant que tu le veux. Ça ne changera rien. Inutile de te cacher, petit. Mais saute dessus. Aïe, aïe, aïe. Finito, Pippo. Arno, je suis coincé. Je
tuer. Non, ne fais pas ça. Va toute seule. Attends-moi. Elise. Tu l'as tué. Ça va chier. Tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le père de la sagesse ait décidé que nous discutions un peu. C'est le seul kill de tout le jeu où on discute avec notre cible. Terrible, hein? Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu. De sublimes tours dorées, des villes brillant de l'éclat. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit. Le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la terre. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du père de la sagesse. Et je vois que tu as rencontré un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leurs contemporains. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. C'est ici que nos chemins se séparent. Réfléchis à ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place, quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots, chaque fois que tu penseras à elle.
Le drama. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Ah oui, moult années plus tard quand même, hein, parce que... Animus. Bien sûr. Ça m'étonnerait qu'Abstergo décide de fouiller les catacombes pour retrouver la dépouille de Germain. Ses os seront trop abîmés, trop dégradés. Ce singe ne nous posera plus. Eh merci. Tu as été à la hauteur, monsieur. Bon. En attendant qu'on fasse signe. On est dans le thème. Je me suis mis dans le thème. Totalement parisien. La baguette. Des données historiques précieuses. D'autres échantillons d'ADN. Tout ce qui peut nous aider. Waouh. C'est certain. Ils nous contacteront plus jamais. Je sais plus s'il y a une scène post-générique, je crois pas. Hein. Il y a Ah, on reprend le crédit. Non, comment ça? Merci André. Je
Je crois pas, hein. Je crois que la scène... Ah ouais, voilà. La scène en mode lore, ouais, c'était avec l'autre. On est à côté d'une lettre, bon, ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on la lise. Et j'imagine... Et ouais, monsieur, et ouais. On se met dans le thème. Tu dors tandis que j'écris ces lignes. Mon cher Arnaud. Oh, Arnaud. Qu'as-tu fait? Je sais que... Mon très cher Arnaud. Je peine à appréhender tous les changements des trois dernières années. Jusqu'où nos parcours nous ont menés. J'ai parfois craint que nos chemins nous éloignent à jamais. J'espère que je sais ce que je fais. La baguette. Baguette Vinas, totalement Unity. Bon, bah écoutez. Je sais plus, moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas le truc avec Junon, là, qui traîne, là? Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans Syndicate au niveau du pont. Je sais plus du tout, Seigneur. Je crois que c'est au jardin des Tuileries, non? Je sais plus du tout. Enfin bref. Ça se passe, hein? Ça se passe, monsieur Slade. Du coup, finito pour ce let's play. Comme j'ai dit plus tôt, je reviendrai peut-être dans très très longtemps sur le jeu pour finir les récits de Paris. Mais là, j'avais une flemme incommensurable, hein, pas vous mentir. Du coup, ça se termine là-dessus pour la playlist saga, mais pour le reste, un jour, on finira la map. Ciao.